tu fasses. Quand tu veux engager ta prise de force. C'est-à-dire que tu veux faire tourner le roto derrière. Bon, déjà, tu débrayes à fond, tu relèves le relevage à fond pour qu'il monte. Après, tu relèves ton TGC qui fait le blocage du relevage. Et tu vois, quand je débraille, il descend tout seul. Et dès que je lâche, hop, il remonte. C'est pour ça qu'il faut le bloquer. Tu descends ton relevage, voilà, au fond. Une fois que tu es bien réglé au niveau des 3 points, qu'est-ce que tu fous? Tu fous la lampe déjà, et tu te mets en deux lances. Non, fais un marche arrière, 2 je dis. Voilà, non, pas 4, 2, voilà. Dans là, bien évidemment, tu feras un main. Et après, bah oui, ta mère. Après, faut que tu engages ici, c'est la prise de force. Tu vois, le roto, il va tourner là. Après, là, c'est la prise de force tracteur, donc quand tu roules, rien, ou moteur. Donc là, faut que tu débrayes, tu l'enclenches, et dès que tu as un petit peu de réage, tu vas tourner. Et c'est bon. Et après, tu peux accélérer et t'avances. En fait, il met en 3 du coup. Et ça y est, on fait du jeu au moyen.